mais pas la confession banale, c'est-à-dire de se placer devant, devant soit une idéologie, devant la face de Dieu. Il y a deux confessions qui sont placées dans le monde, c'est celle de saint Augustin et celle de Jean-Jacques Rousseau, vous connaissez? Et saint Augustin plaçait sa vie devant la face de Dieu, toutes ses confessions. Et Jean-Jacques Rousseau, il est placé devant lui-même. Vous voyez comme ils sont englués dans les difficultés. Alors ici, je crois que c'était le défaut, mais il me semble que c'est une sorte de jugement que Dieu a placé dans ma propre existence. Il m'a fait éprouver dans la chair, parce que c'était une maladie physique, d'éprouver la souillure du péché et qu'on peut passer outre à une seule condition, d'entrer comme un enfant au sein de la présence divine. À notre Dieu, soit l'honneur et gloire au siècle.